Un café de pro? Oui. Après Debbie, c'est mon tour. D'accord, je vous donne mes cachets pour le cœur. J'ai demandé à Whitey de passer parce que je veux te parler. Je crois que tu vas pouvoir reprendre la compétition. Ta mère veut que tu réintègres l'équipe. Et moi aussi. J'ai vu ton médecin ce matin. Il y a quelques risques, bien sûr, mais on peut les surmonter. Il y a deux conditions impératives. Tu continues à prendre ton traitement et tu ne pourras jouer que 15 minutes d'affilée. Tu seras remplaçant, mais tu rentreras à chaque match. Il nous faut une bonne réserve pour le championnat. Je sais que tu ne joueras plus comme avant, chérie. Mais c'est mieux que rien. Non. Maman, j'apprécie ce que tu as essayé de faire pour moi. C'est vrai que le basket me manque beaucoup. Mais jouer à moitié, c'est pire que de ne plus jouer du tout.